Pays de la douceur de vivre et de la gastronomie, le Sud-Ouest est depuis toujours le pays de l'accueil, un accueil authentique, comme les terroirs. Pétris de cet esprit latin, les vins du Sud-Ouest ressemblent aux hommes qui les ont fait naître. Ils portent en eux toutes les valeurs de leur terroir. Bonne humeur, convivialité, sens de la fête. Des valeurs que les vignerons aiment à faire partager chez eux, dans leurs caves et celliers. Quand on parle des vignobles du Sud-Ouest, on devrait plutôt dire les vignobles du Grand Sud-Ouest. Les routes que nous allons emprunter nous conduiront de Marcillac dans l'Aveyron à Irou-les-Guy dans les Pyrénées, en passant par Cahors, Gaillac, Albi, Buzet, Madiran et Jurançon. Tout au long de la méridienne du Sud-Ouest, les chemins des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, abrupts et périlleux, sont jalonnés de vignes et d'oratoires, de cathédrales ou simples chapelles, de crus modestes ou plus fameux, s'offrant aux pèlerins pour étancher leur soif de spiritualité et de ces breuvages à la robe d'or ou de pourpre, fruit de la terre et du travail de l'homme. Au XIIe siècle, les pèlerins portaient déjà un coquillage sur leur chapeau, rappelant ceux de la côte du Finistère où le corps du saint aurait été débarqué. De nos jours, le bâton de pèlerin et le chapeau à coquillage ont pratiquement disparu. Mais les pèlerins, à nouveau de plus en plus nombreux, empruntent ces routes de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont aussi celles des vignobles du Grand Sud-Ouest. À quelques kilomètres de Rodez, dans l'Aveyron, l'appellation Marcillac est particulière. Sur ses pentes aménagées en terrasses, Jean-Luc Matta fait avec le fer Servadou, cépage montagnard et rustique, un vin unique, reconnu aujourd'hui pour être le plus riche en catéchine et procyanidol, composé phénolique qui abaisse le taux de cholestérol et s'oppose à son dépôt dans les artères. Vous voyez la cascade ? Elle sort en dessous de mes vignes. C'est mon outil de travail, la cascade. Ici, on a des coteaux abrupts, des pentes abruptes, donc on monte facilement jusqu'en haut des vignes avec cet angle-là. Les vignes correspondent environ à 160 hectares seulement. Pour ma part, j'en ai 15 hectares. 15 hectares de vignes fer Servadou, c'est le cépage de notre région. Un cépage rustique, authentique, comme moi peut-être. À 10 ans, je ne voulais pas faire vigneron, parce que je ne connaissais pas trop. Je voulais faire curé ou clown. Curé, je ne l'ai pas fait. Mon père m'a dit. Il m'a dit, tu sais, c'est un peu pareil. Alors fais ce que tu voudras, parce que mon père n'était pas un homme. Et j'ai donc fait vigneron. Et ça, j'ai bien fait de faire vigneron, parce que c'est un bon métier. Panate, on va arriver à Panate. Et l'histoire dit que Brujoul, Clairvaux, deux villages qui sont en dessous, donc les seigneurs étaient là, Clairvaux c'était le clergé et les commerçants, et Brujoul, là où je suis, ce sont les paysans, les serfs. On n'a jamais changé, quoi. Panat, c'était un vieux château qui est en ruine aujourd'hui, mais c'était là qu'étaient les seigneurs de l'époque, bien sûr. Ici, on n'est plus dans le rouget, là. Hein. Les pierres sont de Cosse, donc elles sont blanches. C'est la diversité qui fait un petit peu la qualité de notre région, de notre terroir. On fait des vins de Marcillac qui ressemblent enfin à quelque chose. Ce vin a une identité bien, bien marquée à travers son cépage, sa qualité, le travail du vigneron. Ce vin aujourd'hui a sa place dans les vins du Sud-Ouest
Et donc, est apprécié par les Américains, les Hollandais. C'est un bon vin de Marcillac, c'est un très bon vin. La haute, c'est un vieux moyen, c'est vrai. Mais c'est un moyen efficace aujourd'hui, puisqu'il a plu énormément. Et on est obligé de passer dans les vignes à pied, et non avec les tracteurs à chenilles. Sinon, d'habitude, on passe avec les tracteurs, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Écoutez, le temps, peut-être il va se lever, on verra. Mais je crois qu'il faut être un peu partout. Hein. On peut déléguer un petit peu, mais il faut s'occuper un petit peu. Surtout à cette période-là où il faut être omniprésent pour prier, pour la cave, pour la vigne. Enfin, il faut être partout. L'homme doit être passionné. Moi, je fais un travail qui me passionne. Et c'est pour ça que j'arrive à faire du vin qui tient bien la route aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est du travail, encore du travail. On n'est jamais arrivé. J'ai l'impression que plus j'en sais, et moins j'en sais. Le cépage que nous avons ici, c'est un cépage unique. Hein. Nous n'avons que le fer Cervadou. On l'appelle fer Cervadou. Localement, on l'appelle Mansoin. C'est un cépage cousin ou rapprochant du Cabernet un petit peu. Cette partie végétale donne un goût, un mauvais goût au vin. Donc j'étais le premier à le faire, les raflages, donc, c'est ce qu'on vient de faire. On les rafle, on sépare le grain de la rafle. Et ça va donner au grain de raisin, l'expression du fruit. C'est beaucoup mieux. Quoi. Oh là là, ici, c'est une exploitation qui n'a rien à voir avec l'industrie. Nous sommes des gens de la terre, d'abord. Donc nous travaillons beaucoup en famille, bien sûr. J'ai un ouvrier, j'ai aussi à mi-temps une secrétaire, enfin comptable secrétaire. Qui sert aussi les clients, et mon épouse, bien sûr, qui travaille assidûment dans l'entreprise. C'est une petite entreprise familiale, conviviale. Ici, on rigole avant tout. C'est ma mère qui fait sa soupe, depuis toujours, et puis mon épouse qui fait le reste, après les différents plats qui vont suivre, parce que c'est pas fini. Ah, voilà. À égale distance de Montauban et d'Agen, au cœur de l'appellation des vignobles de Cahors, le clos Triguédina était autrefois une étape où les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle avaient coutume de se restaurer. Mais Trigo de Dina signifie en occitan « il me tarde de dîner ». C'est là que la famille Baldès est installée depuis plus d'un siècle. On lit dans les livres d'histoire du vin de Cahors que... Au XVIIe siècle, la récolte était ramassée pour le compte du seigneur. À l'époque, c'était un impôt, c'était la dîme qui était due des serfs au seigneur. Et donc, si ces braves serfs voulaient bien sûr se garder un petit peu de vin pour eux, un petit peu de raisin, eh bien, ils étaient obligés de récolter le raisin la nuit au clair de lune et à l'abri du regard du seigneur, bien sûr, et à l'abri des impôts. C'est une méthode que j'ai pensé reproduire à partir des années 92 pour faire une cuvée que j'ai tout simplement baptisée cuvée Vin de Lune. Rosé, rouge, blanc sec ou moelleux, ces 80 de lune proviennent de raisins cueillis à la fraîcheur du petit matin. Depuis 1994, j'ai eu l'idée de renouer un petit peu avec l'histoire du vin de Cahors et de lancer une cuvée qui s'appelle le Black Wine. Le Black Wine, en fait, c'était le vin de Cahors de la cour d'Angleterre du XIIIe siècle. C'était un vin qui était très coté, qui était coté sur le marché londonien, bien sûr, mais qui était aussi dégusté à la cour d'Angleterre. Et donc, bon, vous savez, le vin, c'est toujours de l'histoire, c'est toujours un petit peu du rêve et c'est toujours un éternel recommencement. Pour en arriver là, eh bien, il y a beaucoup de travail. Il faut que le raisin soit trié à la vigne. Il est ensuite éparpillé sur les clés. Et ces clés seront ensuite mises dans le four. La chauffe du four, c'est le secret du vigneron. Parce que c'est là que tout se joue. Il faut que le raisin soit... un petit peu cuit, mais pas trop, pas à l'excès, qu'on obtienne que le meilleur du raisin.
nous obtenons une cuvée qui est complètement originale. Et cette cuvée a comme particularité de donner des vins à la fois frais, élégants, avec du fruit rouge, du fruit noir, de la mûre, du cassis, mais également des fruits confits. Nous sommes dans la famille vigneron de père en fils depuis 1830. L'ancêtre Baldès, qui a acheté la propriété, était ouvrier agricole. Et puis un beau jour, il s'est décidé à s'installer. Et puis progressivement, il a développé son domaine. Et puis au fil des générations, ensuite, on s'est spécialisé. Ce qui a été fait en premier chez nous au Clos Triguidina, c'est d'abord la cave. Ça, c'est important parce que la cave permettait de récolter le raisin, de le vendre et ensuite de développer la maison. Le vignoble s'est agrandi. Il est passé de quelques hectares à aujourd'hui près de 60 hectares. Donc c'est un beau vignoble que nous comptons orienter encore plus fort vers les grands crus. Pour faire un grand cru, eh bien, il faut savoir attendre et puis démarrer la vendange patiemment à la carte, faire les belles parcelles, attendre que les peaux soient bien mûres, que les polyphénols soient mûrs, que les tanins soient veloutés. Et c'est tout ce qui conduit à faire un grand vin. De tout temps, bien boire et bien manger ont été associés. Comme la plupart des pratiques traditionnelles de terroir, la cuisine du Grand Sud-Ouest est d'origine paysanne. Et tous les produits locaux sont utilisés en harmonie avec les vins du cru. Truffes fraîches, foie gras et confit de canard restent les grands classiques de la région. Mais la gastronomie d'aujourd'hui a su s'adapter à la créativité en alliant le mariage du plat et du vin au plaisir des couleurs et l'arôme des saveurs. Aujourd'hui, je vais préparer des têtes de cèpe farcies avec un morceau de lard fermier de cochon accompagné d'une petite sauce au vin rouge de Cahors. Il me faut des échalotes, de la tomate, du céleri, du laurier pour la sauce au vin rouge, les cèpes pour la farce, qui sont les cèpes qui ne sont pas très jolies, qu'on utilise pour hacher plus tard, du lard de cochon et des jolies têtes de cèpe qui, elles, vont être farcies. Pour la sauce vin rouge, on va émincer quelques échalotes. La tomate qu'on va couper en 4 ou 5 morceaux. Donc je vais mettre ma garniture pour la sauce au vin rouge à suer et à colorer. Je vais gratter les cèpes juste pour enlever le reste de terre. Ensuite on va les passer rapidement sous l'eau. Donc on va aussi séparer la tête de la queue et on va se servir des queues pour faire la farce, farcir les têtes. Là on va mettre les têtes de cèpe à cuire, doucement. Hein, les cèpes, il ne faut pas que ça cuise à feu vif, autrement ça prend un goût amer et c'est pas bon. Donc là la garniture est bien revenue et je vais mouiller avec le vin rouge de Cahors. On va laisser réduire tout ça jusqu'à une consistance un peu sirupeuse. Donc là, les cèpes sont pratiquement cuits. On va pas trop les cuire parce qu'après, on va les repasser au four. On va prendre le lard pour tailler deux belles tranches et le mettre à pocher. 10 minutes dans l'eau, et dans de l'eau surtout pas salée, puisque le lard est déjà très salé. La farce de cèpe a été hachée, et on va s'en servir pour farcir nos têtes de cèpe. Là, le vin rouge est à bonne consistance, on va le passer pour ne garder que le jus, qui aura pris les arômes des échalotes, de la tomate, de l'ail et du céleri. Maintenant, on va la monter au beurre. Donc voilà, le beurre a fondu, la consistance de la sauce est bonne. On va rectifier l'assaisonnement en sel et en poivre. Voilà, les cèpes sont cuits. On va dresser le plat. On va
décorer avec un petit peu de persil frit et un bon tour de poivre du moulin. On enlève un cèpe farci. Avec ce plat qui est très fin mais en même temps un peu rustique, je conseille un Cahors de haut de gamme. Le vignoble de Gaillac a 2000 ans d'histoire. Ici, un vigneron curieux de tout s'attache aux usages anciens qui montraient déjà l'adéquation des cépages locaux au terroir. Chez Robert Plajol, dans une parcelle expérimentale, quelques cépages oubliés depuis des siècles reprennent vie peu à peu. On ne devrait pas dire le Mozac, on devrait dire les Mozac, puisqu'il y a 7 variétés de Mozac, et notamment le Mozac vert, le Mozac roux, le Mozac jaune. Et ces 3 variétés font partie d'une famille qu'on appelle la famille des Blancs. Il y a ensuite le Mozac gris, le Mozac rose et le Mozac noir. Et il nous reste alors le plus mystérieux de tous, qui à mon avis est celui qui va nous donner peut-être, enfin en tous les cas j'espère, les meilleurs résultats. Voilà. C'est celui-ci. Ça c'est le Mozac dur. Alors pourquoi dur? Parce que lorsque on laisse tomber un grain de raisin ou une grappe de raisin, au lieu de s'écraser au sol, elle rebondit. Tant la texture est dure, la peau est très tendue, très dure, et on peut voir sur la peau des petites stries qui ressemblent effectivement à des côtes de melon. D'où son nom, dur ou côte de melon. Il a été abandonné, c'est celui qui a été le plus persécuté des Mozac de Gaillac, parce qu'il ne produit que de 0 à 4 grappes par pied. Le mui, frappé du coq gaillacois, est le contenant idéal pour élever les vins issus de cépages anciens. Alors ici, nous avons le demi-mui, on va dire moderne, récent, dit demi-mui de propriétaire, dont la capacité est de 500 litres, comparé à la barrique gaillacoise de 227 litres, il est évident que la différence est grande. Nous avons opté pour ce volume de manière à ce que les échanges entre le vin et le bois soient mieux coordonnés que dans la barrique où les échanges sont très rapides, alors qu'ici ils sont beaucoup plus lents. Et l'intérêt réside justement dans cette lenteur des échanges. Nous avons ici l'ancien demi-mui toujours de propriétaire, avec un jable très étroit, beaucoup plus étroit que celui qui est derrière moi, et celui-ci a une contenance de 580 litres. Il a plus de 60 ans. Ici, nous avons le demi-mui dit de négociant et plus précisément dit de transport, avec un jable beaucoup plus large, beaucoup plus épais, et permettait évidemment de résister à toute la charge de transport. Son poids vide est supérieur au précédent de près de 80 kg. Cousin du vin jaune du Jura, expression même des cépages Mozac, le vin de voile est mis en bouteille après 7 ans de garde en vieux fût de chêne. Alors, on va s'ouvrir ce fût, ce demi-mi qui est un demi-mi de vin de voile. Ce vin-là, c'est un peu le vin qui fâche, c'est-à-dire soit on l'aime formidablement, soit on ne l'aime pas du tout. Au lieu touristique du sud-ouest, à proximité de Carcassonne et de Toulouse, au bord des rives du Tarn,
Albi est située dans l'appellation des vignobles de Gaillac. Dominée par la cathédrale Sainte-Cécile, construite entre 1282 et 1480, la ville s'enlumine des couleurs de l'argile et de la brique rose. C'est dans cette région, marquée par l'histoire, qu'est née une verrerie au caractère bien particulier. La verrerie de laquelle vous trouvez aujourd'hui a une longue histoire de plus d'un siècle maintenant. Il existait une verrerie à Carmaux dans laquelle il y a eu un conflit social important. Et les verriers de l'époque, soutenus par Jean Jaurès qui était député de Carmaux, ont décidé de créer leur propre verrerie. Et en 1895, Madame d'Ambourg a donné un terrain pour construire la verrerie, ce terrain étant à Albi. Les verriers de Carmaux ont donc décidé de construire cette usine et tous les jours, ils faisaient 15-17 km à pied pour venir travailler tous les matins et repartaient le soir. On a donc la verrerie d'Albi qui est née en 1896. Elle a fonctionné jusqu'en 1983 avant d'être transférée ici sur cette usine nouvelle qui date de 1975 et qui fonctionne depuis. Les bouteilles que nous produisons sont réalisées avec 50% de verre récupéré. Le verre est un matériau 100% recyclable qui nous permet à la fois d'économiser de l'énergie puisque nous abaissons la température de fusion de plusieurs centaines de degrés et il évite par ailleurs de faire grossir les décharges par un matériau qui peut redevenir une matière première. Nous produisons ici 1 million de bouteilles par jour environ. Le marché le plus important, c'est les vins, le marché des vins fins, qui représente 70% de notre production. La science œnologique permet de mieux comprendre les phénomènes naturels pour aider à leur accomplissement, et tout cela s'apprend. Un enseignement bien adapté transformera un lycéen en œnologue, en sommelier ou en maître d'hôtel après des études spécifiques et quelques stages chez des vignerons réputés, comme ici à Gaillac, chez Robert Plageur. Nous sommes arrivés hier matin et nous resterons pendant 3 semaines par groupe successif d'élèves, donc des groupes de 3. Et chaque groupe aura un rapport à faire sur les activités. Mais j'espère qu'il ne va pas pleuvoir demain. Hein. Non, moi j'étais pas là, c'est plus bas. C'est Nathalie donc. C'est qui veut goûter celui-là, il doit être très bon là. Okay. En fait, c'est épuisant quoi. On arrive, hier soir on s'est couché et puis voilà quoi. On peut rien faire d'autre en fait. Parce qu'on a mal au dos, mais. Ouais. Sinon, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, mais bon. On va dire que quand même c'est dur. Les raisins sont durs. Non, le travail. Ah. C'est un avant-goût de ce qui vous attend dans la profession, car ce sont des élèves qui sont destinés à faire de l'hôtellerie-restauration. Et pour mieux vendre les produits, c'est pas mal de voir un petit peu comment sont fabriqués les produits qu'ils vont côtoyer au quotidien dans les entreprises. Hein. Ce sont des bons éléments dans la mesure où ils ont déjà un niveau bac ou un bac traditionnel et ils ont donc plus de facilité pour le choix d'orientation puisqu'ils ont quitté un cycle long pour faire un bac turbo en une année scolaire, option service et commercialisation. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà choisi leur futur métier et qu'ils vont bien s'insérer dans les entreprises puisque beaucoup d'entre eux sont partis à l'étranger ou sur le territoire national et travaillent et ont fait leurs preuves. Oh non. Nous, ce qu'on veut à travers tout ça avec M. Plageol, c'est aussi vous sensibiliser au respect des produits. Là, ce sont des grappes de raisin que vous avez cueillies aujourd'hui. Lorsque on cueille une grappe, s'il y a du raisin pourri et si on ne veut pas la mettre dans le seau, on l'enlève et ça, seule la main de l'homme ou de la femme, des cueilleurs que vous êtes, va pouvoir le faire.
On va supposer que le vin est terminé, que 6 mois se sont écoulés, et vous allez profiter un peu de votre travail en avant-première, bien entendu. Alors, je ne vous ai pas dit quelle était la nature de ce vin, mais il est évident que c'est un effervescent naturel, élaboré selon la méthode gaillacoise, ce qui est une très 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 ancienne méthode, et qui permet d'obtenir des vins agréables à boire parce qu'ils sont peu alcoolisés, ils sont frais. Vous pouvez peut-être goûter et me dire comment vous les trouvez. On est devant un vin qui a un goût et un nez caractérisé par un fruit, la pomme. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, parce que c'est assez subjectif, le vin. Chaque personne le ressent avec ses idées, avec sa mémoire, avec son passé, avec un coup de cœur, avec plein de choses qui ne s'expliquent pas forcément. Et moi, en tous les cas, sur ce produit-là, eh bien, j'ai l'impression de croquer une pomme et de sentir une pomme. C'est une approche de la dégustation, en fait, hein. Donc, sentir. Maxime, ça vous rappelle quoi, cette odeur? Ben, la poire. Oui. Élodie. La prune. Oui. Anne-Laure. La pomme et poire. Moi, ça sent, enfin, personnellement, ça sent comme le champagne. Oui. Et maintenant, enfin, quand vous le dites que ça sent la pomme, bah oui. Irisé par le bleu de la Baïse et de la Garonne, vivifié par le vert des pins et des vergers, le pays gascon cher à Henri IV est enrichi par le rouge et le blanc du vignoble de Buzet. L'eau est omniprésente dans ce pays verdoyant qu'elle irrigue, et Buzet est le point de départ fluvial, touristique et tranquille, vers le sud et vers l'est de la France. Le client se retrouve toujours lorsqu'il achète un Buzet, il n'est pratiquement jamais déçu. Et quand je dis pratiquement, je suis modeste, je dirais même jamais déçu. Lorsque le client arrive chez nous, n'importe quel millésime qu'il achète, il est consommable de suite. Bon, la quantité ne nous intéresse plus. Aujourd'hui, on boit beaucoup moins, mais on boit mieux. Notre objectif premier, c'est de faire des vins de garde. Il y a certaines exploitations vinifiées en cave coopérative, mais vinifiées exploitation par exploitation. C'est bien séparé, c'est fait dans des cuves à part. Et là, on fait des châteaux, on fait des domaines, comme le château de Gaze et autres. Aujourd'hui, la cave coopérative, vous savez, c'est une grande famille. 280 producteurs d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée Buzet. Il y a actuellement 10 indépendants qui tirent pas mal leur épingle du jeu. Ils profitent un peu du travail de la coopérative, du moins au niveau promotionnel. Après, c'est leur travail, la vinification. Mais s'ils se tirent bien leur épingle du jeu, justement, je pense que c'est parce que c'est une minorité. Bon, d'abord, chacun son boulot. Moi, je suis paysan, je suis viticulteur, vigneron, je fais le meilleur raisin possible. Et après, j'exige de mes techniciens de faire le meilleur produit avec ce que je leur apporte. Je n'ai pas de matériel adéquat pour vinifier. Je ne l'ai pas appris. Moi, je ne me vois pas demain partir au Canada, en Hollande, ou pour aller promouvoir mon produit, surtout avec le petit volume que je fais. Moi, j'ai une toute petite exploitation, 12 hectares. Je n'ai pas assez de volume pour pouvoir faire une cuvée spéciale. Mais cette année-ci, j'ai fait du Baron d'Ardeuil blanc. J'ai des parcelles sélectionnées pour faire du Baron d'Ardeuil rouge. Ça, c'est un millésime Baron d'Ardeuil 1999, Buzet évidemment. Qui a été mis en fût fin novembre 1999, bien sûr, qui a été soutiré tous les 3 mois jusque-là. Et le dernier soutirage a été le 23 août. Et maintenant, il va encore passer la période des vendanges. Et sur le mois de novembre, il sera sorti de la barrique pour le passage en bouteille. C'est un vin qui est très prometteur pour l'année, parce que c'est un vin qui était très riche, très corsé, qui a bien supporté le bois, chose qui est très importante sur le vin. Et aujourd'hui, c'est un vin qui nous a donné entière satisfaction parce qu'il est vraiment à bonne maturité
par rapport à son passage en barrique depuis bientôt, ça fera un an, quoi. Techniquement, nous sommes, je pense, à la pointe. Nous avons des hommes très, très compétents. Notre chance, c'est l'union. C'est l'union. On a une famille, si vous saviez abuser, c'est merveilleux, notre truc. C'est merveilleux. Après 3 ans de recherche, 2 familles de vignerons de Madiran déposent le brevet de micro-oxygénation des vins. Maintenant au point et agréé, l'oxygénation ménagée permet d'élever en cuve inox les vins rouges, rosés ou blancs, comme s'ils étaient en barrique. Nous pouvons visualiser ici ce qu'il se passe exactement lors d'un soutirage. Cette opération de soutirage a 2 fonctions. La première, de venir nettoyer régulièrement le contenant pour éviter contamination en bactéries et en levures. La deuxième, qui est inévitable au cours de cette manipulation, est une oxygénation. Cette oxygénation est relativement violente. Cette opération est réalisée 3 à 4 fois au cours de la vie du vin. C'est un moment très important de l'élevage et la décision de soutirer ou de ne pas soutirer est prise par l'œnologue en fonction de la dégustation du type de vin. Par contre, l'autre forme d'apport, beaucoup plus importante et maîtrisable par l'œnologue, est l'oxygène qui va rentrer régulièrement sur toute la surface du fût. Chaque fois que le vin va diminuer de volume dans cette barrique, nous allons libérer une surface de contact et cette oxygénation lente sera proportionnelle à la surface de contact. L'oxygène qui va rentrer par cette surface va être consommé régulièrement par le vin et produire des effets sur le vin qui sont foncièrement différents de l'oxydation précédente qui, elle, est violente. Pour bien comprendre, nous allons prendre un verre de vin et visualiser en fait ce qui se passe dans cette barrique. Il se passe la même chose que dans ce verre de vin, c'est-à-dire que le vin qui est en surface va toujours être alimenté en oxygène et au bout de quelques jours, les micro-organismes nuisibles pour le vin vont se développer. Pour limiter cette nuisance, l'œnologue aura tendance à re-remplir régulièrement sa barrique. Donc on voit que c'est une technique très intéressante, très vieille, très traditionnelle, je dirais, mais qui a une limite qui est la limite de l'outil traditionnel. Comment reproduire cette alchimie dans une cuve inox? Nous avons, par ce tube, symbolisé une cuve inox aussi étanche que le verre. Donc aucun moyen pour l'oxygène de pénétrer à travers les parois de ce matériau, certes parfaitement propre, mais parfaitement inerte. D'où l'idée de la micro-oxygénation, d'essayer de reproduire cette fameuse oxydation lente dans cette cuve inox. Donc pour ce, nous avons développé une céramique qui est un petit diffuseur en porcelaine qui va nous permettre de diffuser des quantités très très faibles d'oxygène équivalentes au centimètre cube par litre et par mois, plus simplement un dé à coude d'oxygène par litre de vin, le tout pendant 4, 5, 6 mois. En fait, pendant la même période que l'élevage en barrique. Placée au fond de la cuve, la totalité des microbules émises par cette céramique vont être dissoutes et consommées par le vin, exactement comme dans la barrique, sans les inconvénients de l'effet de surface. Donc c'est vrai qu'on trouve encore quelques vins qui n'ont pas besoin d'élevage, où cette phase de maintien en cuve avec une oxydation lente n'est pas importante. On va citer par exemple le Beaujolais Primeur ou des vins qui sont bu très rapidement. Donc c'est une technique qui s'adresse quasiment à 90% des vins dans le monde. Elle n'a non seulement aucun inconvénient négatif sur le vin, surtout pas un vieillissement accéléré. Toutes les pratiques suivies régulièrement montrent que les vins micro-oxygénés vieillissent plus lentement et mieux. Tout se fait à la dégustation, comme dans une barrique. Beaucoup de crus prestigieux aujourd'hui utilisent la micro juste avant de descendre en barrique. Dans leur cas, ils couplent un petit peu cette phase d'élevage qui stabilise la structure du vin. Et ensuite, l'élevage est continué en barrique. Donc, la barrique neuve et la micro-oxygénation, en fait, font un très bon ménage où que ce soit dans le monde. À 70 km des Pyrénées et 100 km de l'océan Atlantique, se trouvent l'aire viticole du Vic-Bil et du Madiran. Les moines du prieuré de Madiran aurait introduit la vigne au XIe siècle.
denrée rare à cette époque, ce vin de Madiran était de grande qualité et pour s'en procurer, on accourait de toute la région. Ici, vous êtes à Ivy. Là, en bas, vous avez notre église. Et derrière l'église, le coteau que vous apercevez, c'est déjà les Hautes-Pyrénées. Donc ici, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Et là, au nord, là-bas au fond, c'est le Gers. Donc nous sommes vraiment aux confins des trois départements et des deux régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Après la création de l'appellation en 1948, notre domaine devait avoir 3 hectares. Dans les années 55-60, on est passé à 4 hectares. Bon, et puis le vin que l'on produisait se vendait essentiellement aux négociants. Donc la mise en bouteille était pratiquement inexistante. Et moi j'avais dans mes intentions, puisque un jour de faire de la mise en bouteille, comme je le voyais faire déjà dans les appellations de Bordeaux, donc je pensais qu'on pouvait tenter la même expérience, mais je n'étais pas du tout préparé à tout cela. Il a fallu qu'il se trouve une occasion exceptionnelle avec la récolte 61. Il y avait 30 hectares de vin en Madiran, que ce vin a été remarqué. Cette table se trouvait dans mon père, qui participait et comment à l'exploitation. C'est un viticulteur averti, je pense. Ça s'est discuté là. En plus de ça, quand on a été d'accord sur les prix, qui étaient bien différents de ce que nous proposait à l'époque le commerce, ce qui est normal, le prix du vin a été multiplié par 3. Donc à partir de là, la preuve a été faite pour finir de nous faire croire à la mise en bouteille. Les fils sont arrivés et on s'est tourné vers la mise en bouteille. Et voilà. À partir du moment où vous faites la bouteille, où le viticulteur met son nom sur l'étiquette, bon, il y a celui, l'appellation, d'accord, mais il y a aussi son nom, donc son adresse, et s'il met un produit en bouteille qui n'est pas de gamme, haut de gamme, enfin dans les hauts de gamme, eh bien, le client il l'aura une fois, il n'aura pas deux. Donc ça oblige les gens aussi à finir le produit certainement mieux qu'on ne le faisait quand on le vendait en barrique. Je vous sers la poisson. Mais c'est des choses qui aujourd'hui sont réglementées. Ah oui, mais enfin, mais c'est à la mode. Nous avons le Béarn pour le rosé, nous avons le Madiran pour le rouge et nous avons le Pacherin pour le blanc. Il n'y a pas de Madiran blanc. Il peut y avoir des béarnes de différentes couleurs, mais par contre, il ne peut pas y avoir ni Madiran blanc, ni Pacherin rouge. Ce n'est pas des vins qui empâtent à la bouche, c'est vraiment des vins qui ont une pointe de nervosité assez marquée. 243 km séparent Bordeaux et Saint-Jean-Pied-de-Port, près du col d'Ibagneta. C'était autrefois le passage le plus facile pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et l'église y avait créé des vignobles pour satisfaire aux besoins de ses fidèles. Petit à petit, en raison des faibles rendements, les vignes avaient pratiquement disparu. Accrochés au flanc des Pyrénées, les vignobles de l'appellation Irulegui renaissent, mais leur superficie est encore confidentielle. C'était un pari un peu fou que de revenir sur des terroirs qui étaient à l'abandon depuis plus d'un siècle. Et bon, et pour y arriver, il a fallu construire des terrasses, former une équipe de gens compétents et qui n'aient pas le vertige. Il faut vraiment avoir la foi et la passion pour arriver à tirer quelques bouteilles de vin de ces montagnes. Un vignoble classique en coteau, on compte environ 300-350 heures de travail à l'hectare et à l'année. Sur notre vignoble ici, sur le domaine, nous sommes à 750 heures de travail à l'hectare et à l'année, pour en plus des rendements d'une moyenne de 35 hectares. Nous sommes en reconversion bio depuis 3 ans et c'est sûr que c'est un travail difficile. On a des contraintes importantes au niveau de la main-d'œuvre, mais je pense que c'est l'avenir. On a tendance de temps en temps à aller un peu trop loin et à oublier que le vin c'est une boisson, que c'est un produit alimentaire et que c'est quelque chose qui doit rester convivial. Et il y a encore peu de temps de ça, quand les vignerons buvaient du vin, ils disaient on goûte le vin, aujourd'hui on le déguste.
Ici, la pente peut atteindre les 70%. 200 mètres de dénivelé séparent les vignes les plus hautes des rangs les plus bas. Construire une cave et un chai dans ces conditions relevait de l'impossible. C'est donc dans des caves souterraines creusées dans la montagne que se trouvent les installations de Jean Brana. Je shoot en direct. Si on ne fait pas des vins de qualité, on ne peut pas les vendre à un certain prix. Et l'exploitation n'est à ce moment-là plus viable. On n'a pas le choix. Il faut faire bon, sinon il ne faut pas faire. Quand on a tendance à faire des vins comme certains à 100%, 200% barrique neuve, moi j'ai tendance à dire, bon, mais ça c'est des vins pour les castors et moi je suis désolé, j'aime pas trop le bois. Je préfère le raisin. En 1992, à l'âge de 55 ans, Étienne Brana disparaît. Ses enfants, Jean et Martine, décident alors de reprendre l'entreprise. Jean s'occupera des vignes et Martine de la distillerie. Martine Brana produit des eaux de vie considérées par les connaisseurs parmi les meilleures de France et célèbres dans le monde entier. Aujourd'hui ici, j'ai chargé la chaudière de vin de poire qui a été fermentée. Et par chauffage, les vapeurs alcool contenues dans le vin de poire s'élèvent, passent ici dans le chapiteau, s'élèvent dans le col de cygne, puis continuent leur chemin dans le serpentin qui est immergé d'eau froide dans ce réfrigérant. Et au contact de l'eau froide, les vapeurs se condensent. Et on obtient à la sortie du réfrigérant l'eau de vie de poire aujourd'hui. Voilà, donc qui arrive par le bas du réfrigérant, qui poursuit son chemin et qui arrive jusque dans le bac de réception de cœur. Voilà, là c'est le cœur de la première chauffe qui coule aujourd'hui là. Ensuite, nous pouvons passer à cet alambic ici, qui est l'alambic plus petit, qui nous sert à distiller uniquement l'eau de vie de mar. Alors, le mar, en fait, provient des raisins du domaine Brana. Il est obtenu au mois d'octobre, juste après les vendanges. Et là, il est descendu à la distillerie, fermenté pour les blancs et en cours de fermentation pour les rouges. Les mars sont distillés cépages séparés, petit courbu, gros mancin et petit mancin, tanat, cabernet franc, cabernet sauvignon, et sont ensuite assemblés pour obtenir une qualité harmonieuse et un produit agréable. Nous avons fait notre choix par rapport à une qualité de terroir en vue d'obtention d'un vin de bonne qualité, en recherchant dans les archives, en discutant avec des gens âgés de l'appellation, on s'est rendu compte qu'il y avait autrefois des vignes qui produisaient du très très bon vin. Alors, on a voulu aller pour exploiter les plus grandes superficies un peu plus haut en altitude. On n'a pas choisi les paramètres les plus faciles pour travailler. De petits rendements, une pente élevée, des conditions de culture qui sont très difficiles, des coûts de production qui sont trois fois plus élevés que dans notre vignoble. Mais dans un but bien précis, c'est de produire des vins de qualité. Il faudrait qu'on soit plus souvent à l'écoute de la nature et ne pas essayer de trop la dominer. Je pense qu'il faut s'adapter. Et ensuite, nous, les hommes, avec notre cœur, faire ressortir ce qu'il y a de meilleur dans la nature et le faire le mieux possible. Partant de la chaîne des Pyrénées, en remontant sur une centaine de kilomètres jusqu'à Pau, un petit joyau entre soleil et montagne, c'est le vignoble de Jurançon. Face à la majestueuse ligne de crête des Pyrénées, ces vignerons passionnés parlent de leur vin avec leur cœur. Ici, les hommes ont de tout temps cultivé l'excellence, et l'on assure que le bon roi Henri IV aurait été baptisé au Jurançon. Depuis, on perpétue une viticulture originale sur un terroir exceptionnel avec une volonté farouche de défendre l'originalité béarnaise. Je regarde et je touche. C'est vrai que ça laisse un côté sûrement suggestif, mais on part un peu à la chasse au trésor ici, quand on vendange. Les vignes sont hautes, les raisins sont hauts, et on essaye de... on farfouille. Moi, j'aime les vins croquants, j'aime les vins où vous avez plein de choses dans la bouche, où vous avez plein de choses au toucher de la langue sur le palais. J'aime ce style de vin. Mon père a fait des vins extrêmement parfumé, bien enrobé. Je vais peut-être apporter une petite touche. Je ne dis pas que c'est parfait, je dis qu'il n'y a simplement pas grand-chose à changer. Et je serais très fière de pouvoir continuer ce qu'il a fait,
en sachant que, bien évidemment, il y a ma sensibilité qui doit s'exprimer. C'est un royaume de filles ici, nous ne sommes que des sœurs et je crois qu'il ne fallait pas laisser ça. Je suis très attachée à cette terre, j'aime la toucher, j'aime la regarder. Et puis il y a un côté sentimental très fort. Je crois qu'il y a le côté technique, c'est important. Je crois qu'il y a toutes ces études qui ont été faites depuis 30 ou 40 ans, mais moi j'ai envie de voir la vigne différemment. De la voir comme une femme regarde, on peut dire comme elle regarde un enfant. Elle le touche, elle le sent, elle fait attention à la manière avec laquelle il grandit, grossit. Ben moi, la vigne, c'est ça. Je veux lui parler, je veux la toucher. Alors, je suis toujours en train de toucher mes vignes, toujours en train de les caresser, les regarder. Ça fait partie de mon métier. Je touche, je hume, je sens, je croque, je fais des vins comme ça parce que c'est mon côté féminin qui s'exprime. Quand on fait du vin, on doit le sentir. C'est comme ça, ça colle un peu dans mes doigts. Et ben, j'ai envie que les gens ressentent ce plaisir que j'ai à faire du vin, à exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi à travers une bouteille de vin. C'est d'abord son vin, il faut le vivre. J'ai au niveau de la grappe plusieurs raisins. Je prends un peu au hasard et je goûte. La peau est souple. Le raisin a suffisamment d'acidité, mais garde quand même des sucres. Et je me retrouve avec des raisins très gonflés, très ronds, et d'autres raisins beaucoup plus flétris. Et ceux-là sont ceux qui sont les plus chargés en sucre. Donc je les goûte, je les mâche, et j'essaye de voir si les résultats des analyses qu'on a pu faire sont mis en corrélation avec ce que je ressens sur un plan sensitif. C'est un vin qui vous donne le plaisir d'un vin moelleux sans vous donner le côté pâteux, liquoreux, lourd en bouche. Pour une raison principale, c'est qu'il a ce qu'on appelle le trépied de Troie, c'est-à-dire l'alcool, le sucre et l'acidité. Et nous sommes les seuls à avoir cet équilibre parfait. Comme disait mon père, quand vous êtes sur 3 points, vous tenez mieux que quand vous êtes sur 2 points. Je suis obligée d'attendre que les raisins prennent ces couleurs mordorées, ces teintes un peu rousses, et petit à petit, ça va s'accentuer et devenir des raisins complètement passerillés, c'est-à-dire tout secs, comme un peu un raisin de Corinthe, mais qui auront une concentration en sucre extrême, tout en gardant de l'acidité. Et c'est ça, chez nous. Le vin de Jurançon, c'est ça. Voilà un raisin confit. Voilà un raisin passerillé qui, normalement, est chargé en sucre, et qui a ce côté un peu raisin de Corinthe, avec une peau très souple, beaucoup d'arômes. Je vendangerai quand le raisin sera prêt, et quand je serai prête, avec lui, mais d'abord lui. Château Joly, c'est le plus gros propriétaire indépendant. C'est une propriété qui est l'œuvre de mon père, donc d'un seul homme, qui a été achetée en 1959. Il n'y avait pas un seul pied de vigne. Les chais étaient complètement en ruine et pendant 5 ans, il a replanté tout ce vignoble pied par pied après avoir bien évidemment défriché. Donc c'est un travail colossal. Nous avons aujourd'hui 36 hectares et moi, je suis là pour essayer d'assurer une continuité, mais en sachant bien que je n'ai pas créé, je ne fais que entretenir et j'espère embellir. Goûter, ce n'est pas simplement porter un vin en bouche. C'est avant tout le regarder, le sentir, le humer, voir comment il se présente. La couleur est splendide, on a des reflets or. C'est ça aussi mon travail. Mon travail, c'est de savoir à quel moment je peux laisser ce vin en barrique ou au contraire, le soutirer pour capter ces arômes qu'on appelle des arômes de fraîcheur qui sont très délicat, mais la barrique va apporter au contraire du rond, du croquant. Je voulais un vin croquant, suave, soyeux, féminin et très très expressif. J'ai attendu 3 jours de beau temps, 4 jours de beau temps, et le 4, le 5 et le 6 janvier, j'ai récolté des raisins merveilleux, très sains,
très beaux, très colorés, avec lesquels j'ai fait épiphanie. Le raisin et le vin ont réussi tous les deux à me donner ce que j'attendais d'eux. Et je me retrouve avec un vin d'une couleur dorée, brillant, qui pour l'instant, d'après moi, devrait continuer son élevage au moins pendant 6 mois. Donc ce vin, qui en fait a été vendangé en janvier, restera pendant entre 12 et 18 mois en barrique. Et c'est le vin dont j'ai rêvé, je crois. Voilà le plaisir qu'on peut avoir dans mon travail.